Oh, ce Black Ops 3 était plutôt pas mal, mais. Attendez, pourquoi est-ce que je parle comme ça Attendez. Bon, c'est pas grave. Avant de faire le test, je vais quand même regarder les avis sur internet de la presse et des joueurs afin de voir ce qu'ils en pensent. Bon, alors la presse, elle est plutôt positive. Bon, il y a certains points auxquels je suis pas d'accord, mais globalité, je suis plutôt d'accord avec ce qu'ils disent. Et maintenant, les joueurs. Euh, quoi? Pourquoi est-ce qu'il m'a pas autant déloges? Même graphisme que le dernier Call of Duty. Le solo est toujours un shooter. La bande-son à base de La version all gel est à base Juggle. Un prix exorbitant. Quoi? Tatato, c'est Kenji. Et vous savez, c'est quelque chose que je déteste dans le monde du jeu vidéo. c'est pas les jeux en eux-mêmes ou les éditeurs qui cherchent toujours un moyen, euh, parfois c'est perfide pour nous prendre notre argent. C'est plutôt la communauté des joueurs qui peut être assez dirais-je euh, chiante, immature et stupide. cest à parfois la communauté peut faire preuve d'esprit critique et de constructivité qui permet d'améliorer un jeu, mais malheureusement un peu trop souvent même les joueurs critiquent à tort, enfin surtout à tort en fait, pour des points qui finalement ne, sont, ne méritent même pas de critique. Et aujourd'hui on va voir ça avec le test de Call of Duty Black Ops 3, qui est un jeu qui a été développé par Triarch, édité par Activision et qui est sorti le 5 novembre dernier, c'est de l'action FPS, et nous allons voir ça tout de suite. Ce que j'en pense. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a trois boîtes qui développent Closed Donc, on a Infinity world on a Triarch et jammer Games. Euh, Sledge, euh, Sledgehammer Games, je ne sais plus s'il si a fait Ghost ou Aven Warfare. J'ai toujours un doute sur lequel les deux ils ont fait, parce que bah, Ghost, j'ai joué pendant une heure, je l'ai pas aimé, je m'en ai, euh, suis vite débarrassé. Et Aven Swarfar, je l'ai pas apprécié, son univers qui était un peu trop futuriste en fait pour moi. Donc, au final, j'ai pas voulu le prendre. Donc, j'ai voulu attendre ce que donnait Triarch après Black Ops 2 que j'ai trouvé un peu médiocre. Euh, je voulais voir qu'est-ce qu'ils allaient donner. par à ce Black Ops 3 qui sortait cette année. Bien entendu, j'ai voulu éviter de rentrer dans la hype qui était tout autour de ce titre en évitant de regarder les trailers, en évitant de regarder sur les sites spécialisés, etc. J'ai vraiment voulu avoir le maximum de surprises euh, à la sortie du jeu quand je jouerai le, quand je jouerai le jeu, etc. J'ai vraiment voulu, euh, vraiment voulu tout, laisser toutes les chances aux développeurs pour qu'ils m'impressionnent, pour qu'ils me, qu me donnent envie d'aimer le jeu. Nous allons diviser ce test en deux grosses parties en fait. La première partie, donc on va parler du jeu en globalité. Et la seconde partie, on va se déployer sur trois arches et euh, parler donc déjà de la campagne, du zombie et de multijoueur. Le jeu a été testé sur PC et la configuration est dans la description. C'est important de noter ce petit détail parce que bah je vais vous expliquer par la suite. Parce qu'en effet, le jeu est très, 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 très mal optimisé. Euh, on a des gros, gros problèmes de freeze. Parfois, le jeu, bah, il va perdre... le, Il va avoir des des ralentissements un peu inexpliqués. Et c'est vraiment dommage parce que le jeu, en soi, bah, il est plutôt agréable à regarder. Mais je parlerai des graphismes en général un peu plus tard. J'ai fait le test pendant que je jouais, donc pendant le test, sur mon deuxième écran j'avais la, la, la consommation du processeur, la chaleur, etc. Et je voyais que, punaise, tout le processeur était utilisé, 100% du processeur, alors que pourtant c'est pas un processeur de merde, -dire pour les jeux vidéo, ça s'en sort plutôt bien normalement. Et là ça bouffe tout, c'est horrible. Après c'était surtout parce que ma tour était sale, donc j'ai ouvert ma tour, j'ai tout nettoyé, il y avait une belle couche de poussière d'ailleurs, donc j'ai tout enlevé et j'ai pu gagner 5 bons degrés et ça m'a permis de, déjà d'avoir beaucoup moins de ralentissement, mais quand même, donc on a des problèmes de surchauffe et donc... Dans certains cas, pas le mien, mais j'ai vu sur Internet, dans certains cas, ça peut causer en fait, donc, le crash du, du jeu en général et même l'arrêt de l'ordinateur. Donc si le, le, votre ordinateur s'arrête, c'est parce qu'il est beaucoup trop chaud, enfin le, le processeur est beaucoup trop chaud, et pour protéger le, les autres pièces et le processeur, enfin l'ordinateur en général, il coupe l'ordinateur et c'est une mesure de sécurité en général. Mais c'est bien la faute du jeu d'être mal optimisé. Bien entendu, il va y avoir des patches qui vont sortir, mais c'est un peu dommage qu'ils se soient tiré une balle en pied comme ça à la sortie du jeu. Ils auraient peut-être pu, avoir... pu reporter légèrement le jeu, ou je sais pas, attendre un tout petit peu, le temps de sortir le patch et pouvoir euh, régler ce petit point. Bon, c'est un point négatif à noter, et là je suis un petit peu d'accord avec les critiques, le jeu est mal optimisé. Voilà. Deuxième point, et qui bizarrement je n'ai pas vu sur Internet, c'est la connexion Internet permanente obligatoire pour pouvoir jouer au jour en général. Là, c'est assez étonnant que personne n'ait noté ça, parce que si vous n'avez pas de, si de connexion Internet, par exemple, si vous avez un crash de, de, si votre box crash, etc., ça arrive à tout le monde, hein. même, si êtes, même si vous êtes équipé de la, de la fibre, ça peut toujours arriver que un soir vous faites pas Internet. Ça peut arriver. Bah malheureusement, vous ne pourrez pas jouer aux zombies, ni jouer en multi. Mais multi, vous n'aurez pas du tout accès au menu c'est pas Vous vous pouvez pas cliquer sur le truc et pas connecté, Non, c'est vraiment pas accès du tout. Tout ce que vous aurez accès, ce sera la campagne. Point. Rien. et C'est con au final. Mais ça, c'est un, un truc qui commence vraiment à m'énerver de voir dans les jeux actuels. C'est cette collection obligatoire et permanente. Mais, mais merde, on n'a on a pas internet 24 heures sur 24. Il y, y a toujours des personnes qui envie de jouer à leur jeu même qu'ils n'ont pas internet. Ça arrive à tout le monde. C'est quand même dommage qu'ils fassent ça. Mais bon, si on oublie ces deux petits points, qu'est-ce qui reste du jeu bah, C'est très simple, on va voir ça tout de suite. Les graphismes sont un sans faute. Les visages, enfin la modélisation pardon, des visages, des armes et des véhicules, des personnages, etc., sont plutôt bien gérés dans l'ensemble. J'ai beaucoup aimé les effets spéciaux, les jeux de lumière, et je trouve que bah, euh, c'était vraiment cool, hein, les, les, de, les, les scènes de bataille, etc. Donc que, que ce soit en solo, en zombie, en multijoueur, c'était toujours agréable à regarder, j'avais vraiment aucun problème. Donc, on a une belle évolution graphique par rapport aux anciens Call of Duty, et c'est plutôt, bah, plutôt sympa de voir ça. Musique et bande-son, encore une fois, c'est un sans faute en général. Je trouve que les bruitages, euh, sont, les bruitages sont sympas en général. Et le son des armes, j'ai beaucoup aimé, et surtout celui des robots. Mais les robots, je, je crois que c'est vraiment la bande-son qui était le mieux travaillée. C'était celui des robots. Que ce soit donc, les robots en général ou alors les, les raps, ce sorte de petits boules à piques, en fait qui explosent au contact. Mais le son qu'ils font, j'adore ces machines-là. Ça, ça, ça c'est un son qui m'a marqué. C'est euh, À chaque fois que je l'entends, je fais Oh putain, ça va me péter à la gueule ce truc-là. Et ça, c'est génial. C'est le genre de truc qui. Manque en ce moment, c'est d'avoir un, un ennemi qui te marque. Certes, c'est pas un truc qui va rester longtemps dans l'histoire de Call of Duty, je pense même qu'on verra pas dans notre jeu. mais ça, c'est le genre d'ennemi, de, le genre d'ennemi qui me marque et qui me plaît, et ça, c'est génial à voir. C'est ça, c'est génial à voir, je trouve que c'est assez bon pour être noté. Les musiques accompagnent bien l'action, j'avais pas de problème à signaler de ce côté-là. Les doublages, c'est toujours aussi un sans faute, hein. le doublage français est plus connaître, donc. Voilà. Petite note à savoir, il y a une complète prise en charge de la manette. Il est possible de brancher une manette, et, euh, sur votre PC bien entendu, et de pouvoir jouer au jeu comme si vous étiez sur une console. Alors d'ailleurs, pourquoi jouer avec, la... avec une manette euh, sur un jeu PC Ce serait un peu con, on n'a pas la précision de la manette, enfin de, de la souris, pardon. Bah, c'est très simple, c'est parce que le jeu est doté de... donne la possibilité de jouer en écran scindé. Donc ça, ça c'est quelque chose qui... ça c'est un énorme point positif. Mais ça c'est quelque chose que j'adore. En ce moment, on a un énorme problème avec les jeux actuels, c'est que plus ça va plus les télés sont grandes, et moins il y a de jeux qui donnent la possibilité de jouer en écran scindé. Et ça je trouve que c'est une aberration que, que, que je ne comprends pas pourquoi est il y a autant de développeurs qui, qui ont la connerie d'enlever de, de, l'écran scindé, quand il y a la possibilité de jouer en multijoueur en coopération, je parle bien, on ne va pas s'amuser à mettre un écran scindé sur un Assassin's Creed ou un Tomb Raider, mais pour un jeu comme Call of Duty, je trouve que c'est LE genre de jeu qui qui se prête plus à l'écran scindé. Et donc voir que dans ce Black Ops 3, il est possible de jouer à la campagne, aux zombies et aux multijoueurs en écran scindé, avec un ami ou je sais pas n'importe qui, vous mettez qui vous voulez à côté de vous, c'est pas moi qui regarde, je trouve que c'est un point qui est plus que positif, et c'est génial, et c'est à noter. Maintenant, la campagne. Alors, avant toute chose, il y a, je pense, des personnes qui dehors font me dire comme quoi la campagne, on s'en fout, et que Call of Duty, c'est un jeu multijoueur je vais vous répondre franchement les yeux dans les yeux. Enfin, c'est un petit peu compliqué, étant donné que là, je regarde une Caméra et pas une personne. Mais, toute chose, je vous emmerde. Certes, Call of Duty est un jeu qui est connu pour son multijoueur et son zombie. D'accord. Mais, Activision nous vend ce jeu avec sa campagne, ce qui veut dire que la campagne fait partie intégrante du jeu. Et d'ailleurs, si pour vous la campagne ne vaut rien, pourquoi est-ce qu'après vous êtes les personnes qui se plaignent qu'en quoi il n'y a pas la campagne sur PS3 et Xbox 360 ah voilà Voilà Donc venez pas vous plaindre à côté qu'il y a une campagne, venez pas cracher sa campagne si après on vous l'enlève. sachez essayer euh, essayez de savoir ce que vous voulez. D'ailleurs, petit aparté, la version PS3 et Xbox 360 n'est pas dotée d'une campagne, et même dotée de graphismes qui sont inférieurs à la version normale. Mais c'est un peu normal en fait, et je vais me dire tant mieux que ce soit comme ça, parce que déjà, de base c'est Patriarch qui s'est occupé la version 360 et PS3. Et je trouve que c'est ex un, euh, un excellent choix en général de développement pour la simple et bonne raison c'est que bah, la PS3 et l'Expo 360, ce sont des putains de boulets. Je veux dire, les mecs si vous vous rendez compte, la nouvelle génération de la PS4 et la Xbox One est freinée à cause de la PS3 et la Xbox 360. On n'arrête pas à les critiquer comme quoi les jeux ressemblent encore à des jeux de l'ancienne génération, mais c'est normal. C'est parce qu'on ce a les deux gros boulets derrière, la PS3 et la Xbox 360, qui continuent à être, là, à être traînés derrière. Je veux dire, encore heureux que, que la version soit sous-traitée, encore heureux qu'il y ait moins d'efforts qui ont été donnés pour la PS3 et la Xbox 360, encore heureux que plus ça va et plus ces consoles sont délaissées. Enfin, tant que, que le règne de ces tyrans s'arrête et qu'on passe enfin à autre chose, qu'on avance, qu'on progresse, qu'on continue à se développer vers de nouvelles technologies. Et ça, tant mieux. Vous savez, les mecs, c'est déjà arrivé plus d'une fois. Vous savez, avec la Master System, avec la Nintendo 64, avec la PS1, la PS2, l Xbox, euh, la, la première Xbox. Ne vous étonnez pas que ça se termine. Il faut bien que ça se termine un jour. Donc, les mecs, arrêtez de chialer. Et passer à autre chose, -à si vraiment vous pouvez pas vous offrir la nouvelle console, la nouvelle PS3, enfin PS4 et Xbox 360, bah je veux dire, attendez que le prix baisse. D'ailleurs, les prix ont baissé, donc arrêtez de vous de vous, arrêtez de vous plaindre. Même la PS3, même la PS3 à l'époque où elle était sortie, le prix était exorbitant et même la PS2 a été petit à petit abandonnée. Donc, c'est l'ordre naturel des choses, c'est normal, faut que ça parte. On ferme la parenthèse maintenant, on parle de la campagne qui est jouable à 4, donc une coopération à 4, et qui n'est pas forcée. Donc quand je parle de coopération forcée, c'est ces jeu où on est obligé de jouer avec un ami pour pouvoir profiter pleinement du jeu. Je trouve que c'est vraiment un truc qui m'énerve, et euh, que, encore heureux, on voit ça de moins en moins aujourd'hui. On a eu une période, euh, une période de crise où c'était obligatoire, mais maintenant on, a de, on en a de moins en moins, et je trouve que c'est tant mieux, parce que la coop dans ce jeu, dans ce, dans ce Black Ops 3, elle n'est pas... Elle n'est pas envahissante en fait, c'est surtout partager l'expérience ensemble plutôt que jouer avec ton copain, il faut qu'on joue ensemble, c'est obligatoire si on peut avancer. Non, je veux dire, vous pouvez très bien jouer en solo, l'expérience sera tout aussi bonne que si vous jouez avec un ami. Elle sera différente mais elle sera tout aussi bonne. Donc, tant mieux, bon point. Première chose qu'on nous demande quand on lance la campagne, c'est de créer son personnage. Donc, on a le choix entre un homme et une femme. D'ailleurs, je vous conseille de prendre une femme pour changer un petit peu avec les anciens Call of Duty. On choisit toujours un homme. C'est un petit changement, c'est pas obligatoire. Faites ce que vous voulez. D'ailleurs, je m'en fous un peu. On choisit le visage, on choisit la tenue et son masque. Enfin, son masque, le, le casque en fait, qu'on pourra, dé, qu pourra débloquer au fur et à mesure des, de notre avancée dans la campagne. La campagne est fortement inspirée de Deus Ex Human Revolution et de Crysis 2, ça se sent de, de part en part de la campagne. Chaque fois notre personnage principal a un léger incident de travail qui l'incite à se tourner vers la technologie afin de remplacer les 2 trois morceaux de corps qui lui manquent. Mais quand Deus Ex s'oriente plutôt du côté de la société et déjà l'impact de la technologie sur la société en général, avec les inégalités entre les riches et les pauvres, les puissants et les faibles, Call of Duty, lui, ce Black Ops 3, sortent plutôt du côté militaire et l'orientation, enfin, la, la, la relation entre l'homme et la machine, enfin, c'est un plan de machine, donc l'homme et la machine, en général, un peu comme Crysis d'ailleurs. Les relations internationales, la sécurité, la vie privée, ce genre de trucs qui vont se développer au fil et à mesure du jeu. On verra au fil des missions comment la machine prend le dessus sur l'utilisateur, un peu comme Crysis, encore une fois, et aussi comment la folie s'installe petit à petit dans nos personnages favoris. Vous pouvez compter entre 8 et 10 heures pour terminer la campagne, ce qui est déjà énorme comparé aux anciens Call of Duty qui mettent à peu près 6 heures. Donc c'est déjà beaucoup, c'est pre presque le double de ce qu'on avait avant. Et ce n'est pas une durée de vie artificielle qui se base sur une sur difficulté élevée, non non, c'est de la vraie durée de vie. C'est assez impressionnant par un Call of Duty, je veux dire, chaque mission dure entre une demi-heure... Et une heure, alors que les anciens colosses c'était à peu près entre 10 et 20 minutes grand maximum, parfois 25 Quand on termine la campagne, on a droit à une campagne alternative qui s'appelle Cauchemar, qui est en fait, comme je dis, une campagne alternative, où au lieu de rencontrer de vos ennemis habituels que vous avez joué dans la campagne, vous allez, vous allez rencontrer, pardon, des zombies. Et donc, oui, vous allez dire c'est peut-être encore une fois les zombies, mais les zombies, c'est la marque de fabrique de Triage, C'est ça qui a fait que Triage soit aussi élevé aujourd'hui. C'est ça qui fait que Triage soit aussi aimé par les joueurs. Ils ont aussi autant de fonds. C'est les zombies, c'est ça qui en fait ceux qui sont aujourd'hui. Et je trouve que c'est plutôt bien amené et ça rend plutôt bien. D'ailleurs, je trouve que même la, 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 la difficulté est assez élevée, est assez intéressante. Donc déjà en solo, c'est assez oppressant, mais en multijoueur, je l'ai pas encore essayé d'ailleurs. Mais en multijoueur, je pense que ça peut être assez fun de le faire. On a un petit côté RPG on peut débloquer des compétences au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu qui nous permettront d'avoir des aptitudes différentes comme par exemple courir sur les murs ou alors euh, je sais pas prendre possession d'un robot euh, faire cramer une machine à distance ce genre de, ce genre de truc. La campagne en elle-même est géniale. Je dirais que c'est même la meilleure campagne qu'on ait eue depuis des années dans un Call of Duty. D'habitude, c'est toujours un méchant allemand, un russe ou un arabe qui menace les USA ou le monde et les USA arrivent sauf la veuve et l'orphelin. Mais pas cette fois. Le peuple égyptien est dans la merde et c'est les égyptiens eux-mêmes qui se démerdent et en plus qui aident les USA. Et ça, c'est vraiment un gros changement dans la campagne. On aura aussi droit à quelques moments plutôt what the fuck, mais je trouve plutôt bien pensé en fait. On rentrera littéralement dans la tête d'une personne et on verra à quel point son esprit est bousillé et à quel point il a succombé à la folie. Et qui rappellera beaucoup Eception, le film Inception et l'animus Assassin's Creed. C'est un peu dommage que la fin laisse un léger arrière-goût de bâclé en fait, et de brouillon parce que bah c'était intéressant. On avait, quand même, on avait quand même droit à une réflexion sur les enjeux actuels qui sont bah, déjà la sécurité nationale, la vie privée, la technologie, le terrorisme. C'est génial et c'est dommage que la fin soit un peu bâclée comme ça en fait. Les phases de narration sont intéressantes, sans être trop envahissantes, et même possible de, de sauter ces passages-là. Le gameplay est sympa et nerveux, avec des scènes de combat qui sont assez impressionnantes, et surtout, surtout, les QTE sont absents. Le zombie, c'est toujours aussi génial, et on se retrouve maintenant avec 4 nouveaux personnages pour remplacer les 4 tâches qu'on avait dans Black Ops 2 donc c'est un bon point positif parce que pire que ça c'était pas possible on découvre qu'on est dans un monde parallèle parce qu'on a tué des personnes et qu'on est là pour expier de nos péchés, on se retrouve sur une map qui donne une ville américaine des années 40 je dirais, assez sombre qui rappelle qui me rappelle en fait Gotham City la map est un mélange des maps de Transit et Mobos Dead et malheureusement d'Origins j'aime Origins mais le problème c'est que Samantha qui est la voix qui nous parle enfin qui nous parle dans la map Ruine totalement l'expérience. Elle nous parle constamment, mais c'est une voix, en plus, c'est une voix qui est irritante, et elle fait chier, elle fait chier en général. Et ça aurait été génial qu'on puisse la désactiver, malheureusement, c'est pas possible. Et malheureusement aussi, bah, c'est présent sur la nouvelle map. Et c'est un peu dommage parce que on nous fait chier, en fait, à nous dire comme quoi on est, enfin, il y a un type random qui nous dit comme quoi on est l'élu, enfin, on, on a la marque, on est l'élu, on va rétablir les choses. Mais merde quoi Moi, j'ai pas envie d'être un élu, j'ai pas envie d'être une personne qui est super aux autres. Moi, ce que j'ai envie, c'est j'ai envie de s survivre à l'apocalypse, enfin de survivre à l'invasion zombie. Même si on est dans un monde parallèle, même si c tout ça n'est pas réel, j'ai envie de survivre, d'être un mec random qui survit, pas un élu ou un super-héros. Dans l'ancien, des anciens dans, dans Black Ops, par exemple. Dans Black Ops et dans World of War, c'était des, des, des soldats qui étaient pris malgré eux. Enfin, bon, c'est un petit peu compliqué, mais le premier constat, c'est on est des soldats qui sont malgré eux dans une invasion zombie. Dans Black Ops, avec la map Call of the Dead, donc où on peut jouer les acteurs, c'était euh, tout aussi intéressant. Je veux dire, les mecs, ils sont tombés comme ça et ils n'ont aucun truc comme quoi c'est élus, comme quoi ils vont sauver le monde. Merde, non Ils sont là pour se défendre, pour survivre, et c'est pas les, les, les sauveurs de l'humanité, et ça c'est vraiment quelque chose qui, qui me m'énerve Enfin, j'espère qu'on n'aura pas ça au Suicide hein. Et on retrouve le côté transit, avec un tram aérien, qui nous permet de nous déplacer entre trois pins sur la carte, qu'on peut aussi rejoindre à pied, bien entendu, et qui, à la grande différence, c'est la grande amélioration par rapport à transit, c'est qu'on peut déplacer le train où on veut, quand on veut, et ça c'est génial, on n'est plus dépendant du train, le train répond à notre volonté, ça c'est beau et en plus, dans le trajet, on n'est pas emmerdé par les zombies et ça nous laisse un petit moment de répit entre deux phases d'action. Bien entendu, vous avez un objectif à faire sur cette map déjà de récupérer des objets qui vous permettront de faire des rituels et de pouvoir sortir de cet endroit. Personnellement, je n'ai jamais réussi à totalement finir, j'ai réussi à faire deux rituels au grand maximum et puis je me suis toujours fait tuer. Donc, euh, je pense que vous trouverez des vidéos sur internet des personnes qui ont réussi. Ou pas encore parce que la map en soi est assez difficile. Les monstres, enfin les quartiers sont assez étroits. On a quand même 2-3 zones où on peut tourner et pouvoir farmer les zombies, mais on a un monstre qui apparaît de temps à autre, une sorte de, de brutus. Donc c'est une sorte de gros monstre avec trois têtes et no des tentacules. Et euh, il est assez difficile. Enfin il est facile à tuer, mais euh, à gérer c'est assez difficile parce que parfois on est vraiment dans des, des endroits qui sont euh, des, 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 des traquenards, Donc survivre ne sera pas une chose facile. Mais possible. Au début, l'influence Chulu, je me suis dit, euh, bah, est-ce que ça va pas dénaturer un peu le zombie Mais le fait qu'on soit dans un monde parallèle et qu'on n'est pas sur Terre, sur une Terre envahie par les zombies infectés à l'élément 115, je trouve que ça rend plutôt bien et même très bien. Et euh, c'est sympathique de voir un peu de variété dans les styles. Enfin, les bonbons. Donc, si vous savez, ça, on a vu ça dans les trailers, ça ne remplace pas les atouts qui sont d'ailleurs toujours présents et même ils ont eu droit à un petit lifting, un petit lifting en fait, et à une nouvelle musique. C'est un peu triste parce que j'aimais beaucoup la musique du Mastodonte et du, euh, du speed Cola, Dommage qu'il l'aient enlevé. Mais ces bonbons déjà coûtent 500 points à chaque fois et apportent un petit bonus temporaire donc qui permettra de survivre face au macabre ou macabé. Enfin, le multijoueur, et là on a le droit du Pure Call of Duty. On aura toujours droit au truc classique, donc on crée sa classe et on se battra sur différents modes de jeu qu'on choisira, comme le match par équipe, la domination, ou alors on pourrait même jouer sur la map Nuketown et un mode spécialement fait pour Nuketown. Les maps en soi, je trouve qu'elles sont beaucoup plus grandes et beaucoup moins euh, couloirs que ce qu'on avait avant, et ça, je trouve que ça exploite mieux les capacités des exosquelettes. qui, Ça, j'avais oublié de préciser dans le, la partie 1 pour le, la, la campagne. Je trouve qu'elles apportent un gameplay plus nerveux et plus intéressant, et surtout aussi qui permet de contrer en fait la camp. Pour moi, c'est que dans les Call of Duty, il y a toujours des problèmes de camp qui sont assez chiants, et d'ailleurs, même j'en ai même rencontré beaucoup sur ce nouveau Black Ops 3 mais euh, il est toujours possible de contrer ces campeurs grâce aux maps qui sont déjà plus grandes, certains diront trop grandes, mais je suis pas vraiment d'accord avec eux. Qui sont plus grandes et qui permet en fait de toujours prendre les campeurs à, renvers, à revers, et les humilier comme il se doit nombre de fois. Je me suis retrouvé derrière un campeur que je danse un petit peu derrière lui et après que je lui donne un coup de crosse pour le tuer derrière le couteau euh, des dispositifs de niveau 40 et pas avant. Oui parce qu'à la place du couteau, enfin un coup de crosse. Lorsqu'on est de face il faut donner deux coups de crosse et derrière c'est un coup pour le tuer. Et c'est juste génial de pouvoir humilier un campeur comme ça. C'est c'est génial de lui montrer à quel point il est supérieur et de lui montrer à quel point c'est une petite merde qui ne sait pas jouer sinon à part ça la grosse nouveauté c'est bien sûr l'ajout de spécialistes qui sont en fait des personnages euh, qu'on a accès dès le début en fait des multijoueurs donc on a accès à euh, quatre personnages différents donc qui ont chacun deux capacités différentes on peut choisir qu'une seule à chaque fois, mais entendu, ses compétences se débloquent durant la partie après un certain temps ou après un certain nombre de kills. Et généralement, donc souvent, c'est euh, une arme en fait qui va one shot un ennemi, enfin qui va one shot un ou plusieurs ennemis, ou alors c'est un soutien. Donc, par exemple, vous avez un personnage qui permet de, re de, de repérer en fait les ennemis sur une certaine zone, ou alors si vous pourrez courir plus vite ou ce genre de trucs. Même si la majorité de ces spécialistes sont plutôt bien équilibrés. Les trois derniers sont très mal équilibrés ils sont même beaucoup trop puissants. Je trouve qu'il serait peut-être sympathique de baisser leur niveau. En parlant d'équilibrage, je n'ai pas trouvé qu'il y avait de déséquilibrage en particulier par rapport aux armes. Que je trouve qu'ils étaient plutôt bonnes les unes par rapport aux autres. Mais euh, le matchmaking, euh, il est bancal. Hein Parce que plus d'une fois, mon équipe était composée de, de personnes de, je ne sais pas, de rang 1, 5, 6, etc. Et en face, je me tapais du niveau 55, même des prestiges. Et la partie... C'était un massacre, c'était inintéressant à jouer. Les mecs nous balançaient des dizaines de soutiens à rien et nous on pouvait rien faire. C'était pas intéressant, c'est vraiment dommage. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui serait bon de pouvoir travailler. Pour conclure, ce Call of Duty Black Ops 3 est sans aucun doute mon Call of Duty préféré depuis au moins des années. Je trouve qu'il est même meilleur que les anciens Call of Duty, donc le meilleur comme Modern Warfare. Que Black Ops 2, enfin surtout Black Ops 2 en fait, et euh, c'est plutôt l'apport des, des modifications qui sont plutôt cool et vraiment vraiment sympathique. Alors certes il y a des personnes qui se plaignent comme quoi il y a un côté futuriste et comme quoi ça leur plaisait pas et qu'ils voulaient voir autre chose, mais euh, je suis pas vraiment d'accord avec vous en fait, parce que... On a tout on a même trop vu des jeux sur la seconde guerre mondiale. Alors, certes, des jeux sur la première guerre mondiale seraient sympathiques à voir, mais Call of Duty est trop nerveux pour que ce soit un jeu de première guerre mondiale. Les jeux comme Red Orchestra seraient plus adaptés qu'un Call of Duty. Donc, Call of Duty, la seule chose qui lui reste, c'est. Le futur, et tant mieux qu'il fasse ça, ça, ça change un peu. Et puis d'ailleurs, j'ai pas trouvé que c'était si futuriste que ça, comparativement à Avance Warfare. Là, on était sur un futuriste, enfin, futur, un futur, pardon, qui était possible. Et d'ailleurs, la majorité des éléments qui étaient dans ce jeu existent déjà aujourd'hui. Je, je veux dire, les drones. Les drones, on en a partout des drones. L'armée en utilise abondamment des drones. Et ils pense même à remplacer la majorité de ses avions par des drones. Bon, on ne pourra jamais remplacer un homme, ça c'est sûr. Mais le, la majorité des opérations qui sont trop dangereuses pour envoyer un pilote humain, on envoie un drone à la place. Et ça, on envoie... Partout, dans toutes les grandes armées, on a, on a ça. En France, on en a. Aux États-Unis, ça c'est des à foison. Tiens, j'avais ça qui les ce c'est génial. Les os squelettes aussi, c'est même déjà à l'étape du prototype. Les trucs d'invisibilité aussi. Donc, il y a pas de côté futuriste que ça c'est un futuriste qui est probable et même qui est pas tant futuriste que ça au final c'est vrai que si on me donnait pas l'année la, la, j'aurais limite pensé que ce black ops 3 bah, au final c'était quelques années après black ops 2 alors qu'au final non c'est même je crois que c'est 100 ans au final plus tard je me souviens plus du tout combien de temps ça se passe je sais même plus quelle époque ça se passe je dirais que c'est après Black Ops 2, mais pas trop loin. Et non, j'ai vraiment accroché l'univers, et euh, qui n'était pas trop futuriste, comme pouvait l'être Avant Warfare avec ses armes laser et autres, mais qui, elle, ne me plaisait pas trop. Donc futuriste, oui, mais pas fantaisiste. Enfin, un petit point qui est extrêmement important, enfin même petit, c'est un énorme point qui est extrêmement important, les développeurs ont annoncé comme quoi, durant l'année 2016, ils vont rendre public un, un, un outil de création de modes et de maps pour le jeu. Et ça, c'est une Putain de bonnes nouvelles Depuis World of Warfare 2, les développeurs ont en fait bloquer le, ils ont bloqué le jeu, ils ont empêché les, euh, les joueurs de pouvoir créer les des modes pour le jeu. Et ça, c'est triste parce qu'au final, le dernier jeu qui a reçu des modes, c'était World of War. Et regardez les modes et les maps, surtout les maps qui ont été sorties et qui sont encore en train de sortir aujourd'hui. C'est génial! On arrive à atteindre un niveau de, de mapping, enfin de, de mapping, un niveau de conception qui atteint celui des, des, des développeurs professionnels. Et ça, c'est génial qu'ils se disent de nous donner de nouveaux outils pour exploiter les nouveaux moteurs et faire encore un meilleur travail que ce qui était déjà avant. C'est génial. Donc, à 44€ sur GameSplanet, franchement, le jeu est quasiment donné, honnêtement, même si je ne le conseillerais pas pour l'instant. Parce que les problèmes d'optimisation rendent le jeu un peu frustrant. Donc c'est jouable, bien entendu, j'ai joué plus de 25 heures sur le jeu, donc euh, c'est pour dire comme quoi euh, ça ne me dérange pas trop. Mais il y a des personnes qui vont chialer, euh, tout ce qu'ils savent. Et donc, si vous voulez éviter des problèmes, attendez un petit peu qu'un patch qui sorte pour corriger cela. Si ça vous ne dérange pas, si vous nettoyez votre ordinateur, si vous faites bien attention... Vous n'aurez aucun problème, 44€ c'est donné. Et ce Black Ops 3 vous fera sûrement plaisir pendant des bonnes heures. Voilà donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Encore une fois, merci les Planet pour m'avoir donné la possibilité de tester ce jeu pour vous. Et en attendant, bah encore une fois, allez sur le site, ils ont de belles offres. Et j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à commenter, à surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater d'autres vidéos. Rejoins le connais Canard. Et on se retrouvera à la prochaine vidéo, tiens. Allez, bye tout le monde. Ouais.